Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Magique Pascal. Aujourd'hui, je vous présente un nouveau tour de magie en compagnie de Brigitte. Restez bien jusqu'à la fin car le final est spectaculaire. Je vous donne donc rendez-vous à tout de suite. Si vous aimez la vidéo, likez, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, activez bien sûr la cloche. Et s'il vous plaît, laissez-moi un commentaire, ça fait toujours plaisir. Eh bien, bonjour à tous. Salut à vous. Avec Brigitte, on se retrouve donc en septembre, la rentrée des classes, hein, Brigitte. Et je vous ai réservé quelque chose de très sympa. D'ailleurs, tu n'es pas au courant, Brigitte n'a pas vu le tour avant. Les coïncidences, tout le monde les connaît, même vous. Les coïncidences, pour toi, ça évoque quoi? Les coïncidences, le hasard. Le hasard. Je vais t'aider. Les gens qui pensent à la même chose en même temps. En même temps, oui, tout à fait. Vous avez jamais reçu un appel d'une personne à qui vous avez pensé à l'instant même? Même un SMS, ça peut arriver aussi. Moi, ça m'a toujours. C'est une. Enfin, pour moi, c'est pas une science, mais c'est quelque chose qui m'a toujours interpellé. Oui. Et j'aimerais, en fait, en toute honnêteté, j'aimerais avec vous, avec toi, faire ce test, voir si c'est possible. Pourquoi pas? À l'instant T. J'ai deux jeux, d'accord? Deux jeux de cartes. Lequel que tu veux prendre? Celui-là. Parce qu'il est plus joli que celui-là. Bon, je m'en doutais. Ok, tu l'ouvres. Moi, j'ai ouvert l'autre parce que bon, elle a pris le plus beau. Normal. Tu peux l'étaler. Je sais pas le faire, ça. Bon, tu fais comme tu veux. Tiens, fais-le. Montre-moi comment tu étales. On peut applaudir. Brigitte, bien étalée. Parfait. Tu le prends en main. Tu oui. Peux. Tu vas. Je vais mimer. Tu vas faire exactement ce que je vais faire. D'accord. Regarde. Tu mélanges comme ça, à la française. Oui, c'est mieux pour moi. Ça va, c'est pas... C'est, non, c'est, ça va. Pour une débutante, ça va. Regarde. Tu le poses sur la table. Tu coupes. Tu complètes. Jusqu'à là, ça va. C'est simple. D'accord. Allez, on va faire plus simple encore. Oui. Tu poses... Ah. Je suis pas douée. Tu poses les cartes une à une, comme ça. Voilà. Et tu peux même, si tu veux, le faire par paquet. Prendre les cartes du dessous, voire même du milieu. Tu peux poser par bloc, comme tu veux, comme ça. Ça te va? Ça me va. Tu le remets face en bas. La première carte, tu la mets sans regarder dans le jeu. Je peux sourire. Laisse voilà. Ton temps à Brigitte d'intervenir. La carte du dessous, tu la mets dans le jeu. Aussi? Ouais. Je suis pas douée, moi. C'est fait? C'est fait. Après tous ces mélanges, oui. D'après toi et d'après vous, combien y a-t-il de possibilités que le jeu à Brigitte, par rapport au mien, soit dans le même ordre? Franchement, je laisse les scientifiques calculer ça. C'est impossible. C'est pratiquement... C'est possible, mais... Une chance sur des milliards, je pense. Ah, bah carrément. Discrètement, tu vas regarder, sans me la montrer, la carte du dessus. Moi, je fais pareil. D'accord? Oui. Tu peux même la montrer au spectateur. Je ne triche pas. C'est bon? C'est bon. Tu coupes le jeu, regarde. Et tu complètes, comme ça, la carte est perdue. Oui. Alors, j'ai regardé une carte, j'ai mémorisé. Tu as regardé une carte, tu l'as mémorisée. Oui. Et nos spectateurs la connaissent. Oui. Ok, très bien. Alors, on va faire très simple. Moi, on va faire un truc sympathique. Je vais sortir face en bas sans la montrer ma carte. La voici. Et je la pose ici sur le tapis. Et moi, pareil? Ouais, sans la montrer, tu la poses sur le tapis. C'est bon, Brigitte? J'espère que c'est celle-là. Très bien. Tu peux poser ton jeu, c'est fini. Rappelle-toi, depuis le début, nous avons mélangé les cartes, fait des coupes, on a fait un peu n'importe quoi. Carrément. Mais le plus important, c'est que nous avons tous les deux retenu une carte. Regardons la carte de Brigitte. Le 7 de carreau. Oui. Très bien.
tout au début, on parlait de coïncidence. Oui, carrément, on disait que... La probabilité... était de pas grand-chose. De pas grand-chose. J'avoue. Enfin bon, c'est quand même sur... c'est quand même sur, les, sur c'est pour que ça soit... que, pour qu'il y ait une coïncidence comme un appel, comme... Elle est minime, quand elle, même. Elle est franchement minime. Oui. On a fait un test, et moi, j'ai pensé à une carte. Ouais. Je me dis pas que c'est cette carte. Ce qui est très fort. Et là, je pense que là, on peut applaudir. Ah, c'est incroyable. C'est le 7 de carreau. Je le fais. On est compatibles. C'est ça, on peut dire ça. Eh, ça fonctionne. Franchement. J'avoue, je suis épatée. Je m'attendais pas. Tu t'y attendais pas, celui-là, hein? Ah non, pas du tout. Ah, c'est une grande surprise. Ouais, j'adore. Moi aussi. Comme quoi, les coïncidences, ça existe. J'avoue. Mais peut-être pas chez tout le monde. À voir. Allez savoir. Eh bien, merci de nous avoir regardés. J'espère que vous avez apprécié. Brigitte, toujours là. Oui, toujours présente. Toujours présente. Et on va essayer, au mois de septembre, de sortir des nouvelles vidéos. Oui, on va essayer. On va essayer, on va essayer. Parce que, hey, après, il faut lire, il faut étudier. Ah, il faut faire, y a beaucoup de travail. Hein. Oh, bah là, oui. Et surtout pour toi. Ouais, parce que ce que veut dire Brigitte, c'est que au travers des tours de magie, il y a plein de choses derrière. C'est sûr. Il y a la partie logistique, mais oui, comme vous m'en doutez, une vidéo, ça se fait pas en deux secondes. Eh non. Je pourrais faire une vidéo rien que pour ça, ça vous épaterait. Voilà. Eh bien, écoutez, on se donne rendez-vous à très 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 bientôt, au mois de septembre. En attendant, bah, reprenez bien le travail si vous travaillez, et puis pour les autres, eh ben, bon courage. Et bonne rentrée à vous. Ciao. Allez, ciao.